Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is reprise now de back l'audience. In session. And again, the chamber will give the floor la chambre to the va à présent rendre la parole à l'accusation qui pourra continuer à interroger la partie civile. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur la partie civile, Mr. Civil Party, nous en étions restés à regarder le plan de Frank Tachan, tel qu'il avait été établi par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction sur base de vos déclarations. Map of Frank Tachan, a sur map le that plan, was by the on voit qu'il y a deux réfectoires, the co-investigating judges, un based on pour les prisonniers et un autre pour les gardes. There seemed to be one area for prisoners and one for the security guards. Juste à côté du lieu d'interrogatoire. The security guards area was just next to the interrogation area. Can you please tell me if you were authorized devant accomplir un certain nombre de tâches a prisoner à vous déplacer to librement et à rentrer dans certain ces deux tasks réfectoires and therefore ou cuisine. To move freely about in between the kitchen area and the adjoining areas? No. I could move only within the limit of je the kitchen for the prisoners, uniquement and only when dans les I was ordered to go and fetch something by the guards, c'est seulement then I, quand I les could go through the kitchen quelque chose used by those que guards. Je pouvais aller dans la cuisine que ces gardes utilisaient. Je voudrais clarifier une chose par rapport à, aux endroits où vous avez I require dormi. A clarification et with respect to confronté the pour dissiper tout malentendu à un article and qui I would a like été to show publié you an article that was published par DCCAM, by le Centre de documentation du Cambodge, the Documentation Center of Cambodia, Searching for the Truth, a document entitled Searching for the Truth. C'est un article qui porte la cote D22-1370.2. D22-1370.2. Et je voudrais to lire un extrait prevent de all misunderstanding, qui vous I'd est like consacré, to read a segment from this article that was presented to you, Mr. Il est Sisson. Dit à la page en anglais 00527800 et en Khmer 00527797. Il est dit ceci. Je cite. It reads the following. Et à l'attention des interprètes, je vais citer en anglais. And I shall be reading un moment d'adaptation. The segment in English. After a long period of time, après une longue Sen période, managed to gain Sen the trust of his guards a réussi à gagner la confiance de ses and gardes. Was permitted to sleep in on the l'a kitchen autorisé hall à dormir with another prisoner dans la salle de la cuisine avec un autre Chin. Prisonnier du nom de Chin. Fin de citation. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé, monsieur la partie civile, de loger dans la cuisine ou le réfectoire avec un autre prisonnier appelé Chin? Area or in the dining hall alongside a person called Chin? Yes, I did. Oui, ça m'est and arrivé. That's because the prison building was full. C'est parce que le bâtiment de la prison était plein. And then I was allowed to on sleep there together with Tachan at the avec kitchen. Chen, dormir and dans the, la cuisine. The guards was nearby les gardiens and the étaient à proximité chief of the prison was also et nearby le chef where de I la slept. Prison aussi. Il était à proximité de l'endroit où je dormais. J'ai remarqué que vous aviez appelé Chin Ta-Chin dans Chin un certain Ta-Chin nombre de vos déclarations. In, quel âge avait cette personne pour que vous puissiez made. L'appeler Ta-Chin? Who was this person? Who was he and why did you have to call him Ta-Chin? I cannot say for sure. Je n'en suis pas certain. At that time, he was 50-something à l'époque, years old. Il avait environ 50 ans. Très bien, je vais y revenir plus tard. Very well. I'll return to that je vais topic continuer later alors on. Sur le plan D125-220.37. Peut-être qu'on peut le
affichée à nouveau à l'écran. On peut voir qu'il y a un lieu d'interrogatoire qui est éloigné de quelques dizaines de mètres des bâtiments où se trouvaient les prisonniers. Est-ce que c'est bien correct? Est-ce que c'est ça que j'avais dit aux enquêteurs du juge d'instruction? Is that indeed what you showed or told the investigators from the co-investigating judge's office? Yes, I did that. Oui. It was my estimation. It was more than 10 meters or almost 20 meters. Cela faisait plus de 10 mètres et près de 20 mètres. Il y a également une plantation de manioc qui est mentionnée. Est-ce que cette plantation de manioc s'étendait de part et d'autre, ou en tout cas entre le lieu d'interrogatoire et les différentes prisons de détention, est-ce que cette plantation de manioc permettait, depuis les maisons des prisonniers, de voir le lieu d'interrogatoire? From this area and from the prison areas, were you able to view the interrogation areas? The only could see the roof, not the building itself, but due to the thickness of the plantation. Pas les bâtiments, parce que les plantations étaient très épaisses, denses. Est-ce que vous avez pu, durant les 5 ans où vous êtes resté à Krang Tachan, observer à quoi ressemblait le lieu d'interrogatoire? Observe what the interrogation area looked like. Can you please tell us or describe to us what the area looked like? Yes, I can do that. Oui, je peux At the front, there was a low-level veranda. Sur le devant, the interrogator would sit on a piece of wood. And they also had a wooden chair there. De bois, une chaise en bois. As for guards and cadres, they were sitting to the sides, and the chief was sitting at the front on that piece of wood. It was not a proper chair, but like a piece of wood. Véritable chaise en as bois, for mais the equipment, they used a bamboo club. About that size, and there were three or four of them, and there were a few scarves and a plastic sheet to cover the face of the prisoners. Des sacs en plastique qui servaient à englober la tête, le visage des prisonniers. Est-ce que vous avez pu observer tout cela de l'extérieur du lieu d'interrogatoire, ou à l'occasion avez-vous pu rentrer from outside the interrogation house, or were you from time to time permitted to enter the interrogation area? I did enter the interrogation room in order to sweep clean the floor. Je suis entré dans cette salle and I usually did that before they started sol. Working around 8 or 9 o'clock in the morning. En général, ils commençaient à travailler vers 8 ou 9 heures le matin. Je vais revenir plus tard sur les interrogatoires, mais later on I'll touch upon the subject of interrogations, but can you please tell us if there was sufficient room to interrogate two individuals, or could only one person be interrogated at a time? There was only one prisoner being interrogated at one point at one time. Est-ce que ce lieu d'interrogatoire disposait de murs solides? Ou was the interrogation sinon, room en quoi ces murs étaient-ils built faits? Of strong and solid walls? And if not, what were the walls made of? The front wall was made of a wooden plank, and it was just a low wooden plank up to the height of the waist. And for the other walls, they used coconut tree leaves in between the bamboo sticks. Et ces feuilles étaient entrelacées avec des tiges en bambou.
Est-ce que vous pourriez nous donner une estimation de la distance qui séparait la cuisine ou le réfectoire des gardes du lieu d'interrogatoire des prisonniers? Guards dining hall and the interrogation house or area. The distance is the same, about more than 10 meters from the guards dining hall to the interrogation area. Il y avait plus de 10 mètres qui séparaient le réfectoire des gardes de ce lieu d'interrogatoire. Merci. Toujours sur ce plan, D125-220.37, on peut voir que sont décrits une fosse commune à l'est de Krengtachan, une grande fosse, au sud-est à l'emplacement d'un vieux donjon, et pit, également, il est mentionné que des corps étaient enterrés au pied d'une ligne de cocotiers au sud de Krengtachan. Pourriez-vous nous dire s'il y avait d'autres endroits où les prisonniers étaient exécutés et enterrés à l'intérieur de ce périmètre, de ce premier périmètre, ou si d'autres personnes ont été exécutées et jetées dans des fosses à l'extérieur de ce périmètre, ou si d'autres personnes ont été exécutées et whose bodies were thrown into grave pits beyond that perimeter. Yes, there were, when, for the outer part, that is along the fence, and they would plant coconut trees above. Prisoners who died every night, one or two of them, would be carried and buried there. And probably the depth of the pit where the body was buried was about only 60 centimeters. Et l'endroit où l'on enterrait les corps n'était situé qu'à environ 60 centimètres. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que, en plus de ces trois endroits où de nombreux corps ont été ensevelis, y avait-il en dehors du périmètre de ce plan, par exemple entre la première et la deuxième clôture, ou entre la deuxième et la troisième clôture, d'autres fosses où des cadavres ont été pits where bodies were buried? Yes, there were through the west of Waterpang village. Oui, à l'ouest du village de Waterpang. À partir de quel moment des cadavres ont été enterrés plus loin que le premier périmètre? Were bodies buried beyond the perimeter? That happened in 1977 when massive killings took place. Lorsque il y a eu des exécutions en masse. Et pouvez-vous dire à la chambre pourquoi était-il nécessaire à partir de 77 et des exécutions en masse d'enterrer les gens à l'extérieur du premier périmètre? It was necessary to bury the bodies of those who had died in mass executions beyond the perimeter. Because there were too many burial places within the first perimeter already, so they had to do it at the outer perimeter. Sortir de l'enceinte. That is a little bit further beyond the second perimeter. Et franchir la deuxième clôture. Très bien, merci. Je voudrais maintenant, well, avec votre you. Permission, Monsieur le Président, with montrer une leave photo of the chamber, Mr. President, I would like to display a photo, une photo qui a été prise par les enquêteurs quand les enquêteurs ont accompagné au centre de Krengtachan en mars 2009. Il s'agit de la photo des 1-2-5-220.24. Il porte la référence P 00-3-5-5-3-8-8. Avec votre autorisation, j'aimerais la donner à Monsieur la partie civile et la faire afficher à l'écran. Party a copy of this photo and have it projected on the screen.
Yes, you can proceed. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. La photo va s'afficher dans quelques instants. Mais comme vous l'avez sous les yeux, est-ce que vous pourriez décrire à la chambre ce qui apparaît sur cette photo? Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Yes, I recognize it. Oui, je reconnais ce lieu. Initially, it was a small pond which was handmade. Au départ, c'était une petite mare, however, un petit étang. Mais en 1977, the water reservoir to the south was where they buried the bodies. On a commencé à enterrer les corps vers l'ouest. Pond was initially dug by prisoners. Cette fosse avait été creusée par les prisonniers. Est-ce que vous-même avez creusé cette fosse avec d'autres prisonniers? Did you yourself dig this pit alongside other prisoners? Yes, I did. Oui. However, I only involved in the last part of the digging. J'ai participé qu'à la dernière and, étape. And that was in 1977 when they needed the place to bury more bodies. Lorsqu'ils ont eu besoin d'enterrer davantage de corps. Merci. Je vais revenir maintenant aux conditions de détention. Thank you. I want to talk now about the detention conditions at Krung Thachan and the various detention buildings. I'd like to read a segment from your written record of witness interview before the co-investigating judges, E3/5-4. Alors, à l'IRN en français, 007-0900-2900, en anglais, 00-22-5-5-1-2, et en Khmer, 00-22-3-0-6-9. Je voudrais citer ce que vous avez dit. Je cite vos propos. These are your words. Ces maisons de détention étaient construites en bois. Les murs étaient en lattes, les toits recouverts de tuiles. Elles étaient encerclées par des grillages de fil de fer autour de la partie basse au rez-de-chaussée et au plafond. Chaque mur était renforcé par des planches de bois. Les prisonniers étaient allongés sur les planches et au-dessous desquels il y avait un grillage de fil de fer également. Vous avez largement confirmer ces déclarations aujourd'hui en salle d'audience. Could you confirm those, je voudrais maintenant vous montrer statements. Quatre photos have, rather, qui ont été prises après 1979 I'd like to show you some photos à l'intérieur that were taken du mémorial after 1979, de Krung Thachan. La première photo memorial que je voudrais montrer avec la permission de Monsieur le Président, il s'agit de deux photos. There are two photos. La première, c'est D313. -1.2.150. Je répète D313/1.2.150 qui porte la référence P004-0-7-1-2-3. Et la deuxième photo, c'est D313/1.2.151 qui porte également la référence P004-0-7-1-2-5. Donc je demanderai, Monsieur le Président, de bien vouloir m'autoriser à remettre ces photos can I please hand these à la partie civile over to et à les civil projeter party à l'écran également, and have them displayed on the screens. Yes, you can proceed. Le Président, allez-y.
Monsieur la partie civile, est-ce que vous reconnaissez ces lieux sur ces deux photos ou ce type de maison? The places depicted in two of these photos. Do you recognize the houses? Yes, I do. Oui, je les reconnais. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Can you please tell us what they are? That was an old house, an old building, and initially it was not a detention center. Au départ, ce n'était pas un to the lieu south, de détention. There was another dining hall. Vers le sud, il y avait un autre réfectoire. And the place where they put the barbed fire was in 1979. And in fact, they used this kind of grill, as you can see, to show the handcuffs or the shackles. For other people to see. Et sur ce grillage étaient accrochés les menottes, bodies, les fers, pour que in fact collected and stored in this house. And this house was not for the detention of prisoners. It was a former office. Consacré à la détention. And later on, as I said, the bodies were collected and stored there, and the caps were displayed along the grill vault of the house. And later on, it was rebuilt. Par la suite, cela a été reconstruit. Merci. Alors, justement, aux fenêtres sont accrochées des entraves en métal. Je vous demande de bien les regarder. Est-ce que ces entraves que vous avez devant les yeux étaient celles qui étaient utilisées à Krang Tachan ou étaient similaires ou identiques à celles qui étaient utilisées à Krang Tachan pour attacher les pieds des prisonniers? What was used at Krang Tachan to shackle the legs and feet of the prisoners? Yes, that is true that they were the shackles that were used. C'était les entraves qui étaient utilisées. Pourriez-vous nous dire si porter ces entraves était douloureux ou pouvait causer des blessures aux chevilles? To be cuffed by those shackles. And in fact, I don't want to see it again. And if you look at my ankles, the sky remains there, and it's been many years already. And it reminds me to tell my grandchildren of what happened, that I suffered from such crime. Ce qui s'est passé et combien j'ai souffert de ces crimes. Veuillez m'excuser de poser ces questions qui ravivent les blessures. Est-ce que chez certains prisonniers, les blessures causées par les entraves s'infectaient? Were the wounds that were caused by wearing these shackles prone to infection? Infection occurred and relapsed. Il pouvait y avoir and des thanks to my mother's soul, I actually killed small frogs and ground it with salt, and then I applied it on that wound area so that I could it could be treated temporarily. Pour les assainir de façon provisoire. Alors, je reviens aux conditions d'hygiène qui prévalaient dans ces maisons de détention. Et vous nous avez déjà parlé de la façon dont les gens se soulageaient et dont ils mangeaient. Est-ce que les prisonniers disposaient d'eau, ils pouvaient se laver les mains avant de manger ou après s'être soulagés? After meals time,
I was ordered to carry a bucket, a handmade bucket of water. Je devais emmener un seau d'eau. And I carried that brown bucket with a coconut shell and placed it de noix de coco. Along the row of where the prisoners were having a meal, and whoever wanted the water, they would use the coconut shell to fetch the water from that bucket. So whoever finished first would use the bucket that they used to have their meal, to take the water, to drink, and to wash their face. And they couldn't do it, they had to do it quickly, otherwise the guards would scold them. Pour ne pas se faire rappeler l'ordre par les gardiens. Lorsque les prisonniers mangeaient, mangeaient-ils avec les couverts ou avec les doigts? Did they eat with utensils or did they have to use their hands? Some prisoners would use the palm tree leaf to use as a spoon, or sometimes they would just empty the soup from the coconut shell. Parfois, ils se contentaient de boire leur soupe dans la. But most of them would use palm tree leaf as a spoon. They would not allow prisoners to use a spoon, as they are afraid that the prisoner would use the spoon to unshackle themselves. So they were very strict on using on prisoners using any spoon. Les prisonniers étaient traités de façon très stricte et ne pouvaient pas utiliser de cuillère. Est-ce que l'odeur dans les maisons de prisonniers était supportable? Was the smell in the house in which the prisoners were detained bearable? After a while, the smell became normal. But at night time, because people relieved themselves in terms of urinating and having feces, they had to do it there. But the thing is, because of the lack of food, not many people relieved themselves. They only urinated. Ils n'allaient pas souvent à la selle. Ils se contentaient souvent d'uriner. Nous avez dit que vous aviez été un prisonnier mis au travail et que vous aviez donc bénéficié de conditions de détention relativement meilleures que les autres. Est-ce que les prisonniers ordinaires étaient considérés par les gardes et les cadres de Krang Tat Chan avec respect et dignité? Were the prisoners treated by the guards at Krang Tat Chan with respect and dignity? Response: there was no 100% respect, but when I was let out to tender buffalo, cows, and horse, but I could eat coconut fruit and also cassava root, and I can bake or cook them for meals. There was a pit for compost fertilizer, and we set fire, and I took one of the piece of cassava and cooked for eating. Dans la fosse, et je me suis saisi de manioc pour ensuite le cuisiner et le manger. D'accord. Donc là, vous nous décrivez. Very well. Les aliments auxquels vous aviez accès. Mais en ce qui concerne les autres prisonniers, prisonniers ordinaires, vous avez dit qu'ils tenaient souvent un mois sur place, étaient-ils considérés, selon votre observation, comme des êtres humains par le personnel de Krang Tat Chan? Were the others treated like human beings by the guards at Krang Tat Chan? Response: at that time, I was scary to watch. I had to respect them. We cannot make friends with them. On pouvait pas faire copain. Lorsqu'un prisonnier mourait dans une maison de détention, par exemple la nuit,
Combien de temps après le cadavre était-il retiré de la maison? At night. How long did it take the prison guards to remove the body? Respond. Anyone die at night? Si quelqu'un mourait so, pendant la nuit. They kept the bodies until the evening. So they waited until the other prisoner returned from work, and then they removed the dead body. And I was the one who ordered to unshackle the dead body and remove. So I was ordered to remove the body at 4 or 4:30 in the evening. 16h ou 16h30 de retirer le corps. Si j'ai bien compris, cela s'appliquait if I understood your testimony correctly, that applied to the prisoners who are working. I believe there is a translation problem. Vous ne pouviez retirer le corps des maisons de détention que lorsque vous reveniez du travail, c'est ça? Whether you could remove the body from the detention center when you came back from your work. Response. After the prisoner returned and I was ordered to remove. So anyone who died at night, they would keep the dead body in shackle the day, the next morning, and wait until the evening, then they removed the dead body. Merci. Je voudrais maintenant revenir un petit instant sur I would like us votre interrogatoire to dwell somewhat à Krang Ta Chan. C'est on vous avez dit que vous aviez été arrêté quelques at Krang Ta Chan. À un moment en 1974. You were arrested at a point in time in 1974. Si après votre arrestation, vous avez été interrogé et combien de fois? Whether you were arrested, you were interrogated, and how many times you were interrogated? Response. When I was sent to Krang Ta Chan, I was detained there rather long. It was about more than 10 days or even 1 month. And then I was interrogated. And after interrogation, I was let out to do labor during interrogation. The question was that, are you connected to anyone at Aung Ta Som or anywhere else? I responded no. And then they concluded the interrogation and I was sent back to the detention cell, and in the next morning they let me out to clear the grass in the paddy field. Permis de sortir pour m'occuper de l'herbe à l'extérieur. Est-ce que l'un ou l'autre de ces interrogatoires a porté sur votre relation avec votre père? Any of the two interrogations have to do with your relations with your father? អត់មានសួរទាំងអស់សួរតែប៉ុណ្ណឹងសួរតែខ្ញុំមានតកតងទៅកែវទៅអង្គសមជាមួយគ្នាមិនអត់ហើយ Those questions were saying, were you connected to anyone in Aung Ta Som or anywhere else in Takeo? And I responded no. Vous souvenez-vous du nom de la personne do you remember the à propos de laquelle ces questions vous étaient posées, la personne de Aung Ta Som? Called Aung Ta Son, regarding which that question was put to you. Respond, no. No. His question was, did you any connect to anyone inside there? À quelqu'un and the former chief An told other people that
and Chen who told the chief saying that please spare his life because he knew nothing and he is now maintain connection and relationship with me and Chen is now living in Unlong Wang. C'était Chen qui avait donné cet ordre. Maintenant, il vit à Unlong Wang. Dois-je comprendre que c'est Chen qui vous a interrogé? The person est-ce qu'il y avait Chen d'autres personnes présentes lors de, de ces deux interrogatoires? Was the only person present, or there were other persons present during those interrogations? But I mean, respond. Yeah. There was no one else. Only Ta Chen. Ta Chen and Ta Chen and Cheng were there et before Ta Chen et Cheng étaient là avant Anne. Vous étiez tout seul avec lui dans le lieu d'interrogatoire ou bien il y avait d'autres you personnes qui assistaient mais qui ne posaient pas de questions? In the room in which you were interrogated or there were other persons present in that room during that interrogation? During those interrogations. But no, none can you cut off by net. Respond. There were three Khmer Rouge cadres, but only Chen who interrogated me. One of them was the soldier, and it was called an office for them. It was a temporary office and one c'était of the soldier armed with a rifle standing on guard. Et il y avait des soldats avec des fusils qui étaient de garde. Merci. J'en viens maintenant à thank la you période qui suit le let 17 now avril talk 1975 about the following the 17th of April 1975 and the various roles you played vous en avez évoqué in Grand Ta Chan Center. You have already referred to a number of them. Mais je voudrais vous lire un extrait I would like to read out to you de votre procès-verbal d'audition E3-5214 interview à la côte en Khmer 00-22-30-63 en français 00-70-70-28-94 94 et en anglais and in English 00-22-55-07 jusqu'à 08 up to 08. Donc je cite votre déclaration and I will quote your statement. Je le savais parce que moi I knew on ne me considérait plus comme les I was autres no prisonniers considered as the other prisoners parfois were. On me demandait de at surveiller times, à l'instar des soldats qui travaillaient là-bas. They asked that I should be monitored, mais je n'avais pas d'armes like et on ne me permettait there, pas d'aller loin. Have any weapons, parfois, on m'ordonnait de compter le nombre de prisonniers. I was ordered to count the number of prisoners. Ceux-ci étaient massacrés tous les jours. The prisoners were being massacred les manières d'emmener les prisonniers à l'exécution basis étaient ainsi. The d'abord, of taking on m'ordonnait de déverrouiller les barres de l'extérieur, first, they puis used Penn, me to unlock qui était le membre, déclaré aux prisonniers, maintenant certains d'entre vous vont être libérés pour retourner à la coopérative. Il faut respecter l'ordre de l'encart dans la coopérative. Ne faites rien qui s'oppose à l'encart, à la roue de l'histoire. Ces conseils ont été donnés à la porte de la prison. On n'entrait pas à l'intérieur car dans la prison, se dégageaient des odeurs nauséabondes d'excréments, d'urine, etc. Penn prenait la liste et faisait l'appel des prisonniers qui devaient être exécutés. Il faisait sortir quatre personnes à chaque fois. D'abord, on les amenait sur le lieu des interrogatoires, puis on leur disait qu'on allait leur ligoter les mains et bander les yeux, en prétextant que c'était pour éviter de provoquer une rancune contre l'encart. Ensuite, on les emmenait au lieu de l'exécution. Quand on exécutait les prisonniers, on m'ordonnait de couper du bois, d'allumer le magnétophone pour faire passer la musique à travers les haut-parleurs pour couvrir les cris des prisonniers. Fin de citation. Vous avez confirmé en grande partie tout ce qui a été dit dans cette citation, mais je voudrais revenir point par point sur ces différents rôles et obtenir un peu plus de détails de votre part.
one point at a time. Et tout d'abord, vous avez dit dans cet extrait First of all, you stated que vous deviez in parfois surveiller les prisonniers, you had to mais que vous n'aviez watch pas d'armes, the prisoners, but you did not have any weapons. Pourriez-vous nous dire à quels endroits ou à quelles occasions vous deviez surveiller and les on what prisonniers occasions you had to monitor the prisoners? But response. Yeah. Yes, I can indicate that when I was sent to the cell, so before I was ordered to second myself, I was ordered to count at the prisoner. So they would ask me how many prisoners are there. In a row, I told 25, and another row, how many? 24, for example. D'accord, mais sur la surveillance des prisonniers, est-ce que vous aviez un rôle quelconque à jouer? Par exemple, over the prisoners, accompagner any particular role to des prisonniers for instance, à l'un ou l'autre endroit, au travail, etc. Quel était votre rôle en tant que worked, surveillant so à l'occasion so de certains prisonniers? What was your specific role as someone assigned to watch over the prisoners? But, response. When they were let out to do rice growing, for example, there were seven prisoners, and as there were so many prisoners, and they ordered to me saying, you must stay here to watch them, and be careful if any prisoner escape, you will be killed. Yes, I did the watching at that work site. Est-ce que les sites de travail de ces prisonniers se situait à l'intérieur du premier périmètre ou regarding the sites where plus those loin, prisoners went au sein to work, du deuxième ou du troisième périmètre? Within the first, second, or third perimeters at that camp. Response. That work site was outside the first, it was between the first and the second fence of the perimeter. Merci. Vous avez dit tout à l'heure thank you. Que vous deviez a while ago, compter le nombre you de prisonniers. That you counted si j'ai bien compris, c'était compter le nombre de prisonniers au sein de la maison de détention the detention où vous dormiez. Building, where est-ce you que were c'est sleeping? Bien ça? Is that correct? But Rob, respond, yes, I did the counting oui, in the décompte, detention cell. De it happened in the evening c'était when they sent prisoner back to be unlocked in a shackle. So I did the counting and I report to là, him and later they would rapport. Come and count for themselves every 30 minutes or one hour at night. Toutes les 30 minutes ou toutes les heures le soir. Combien dans votre maison de détention y avait-il de prisonniers how many prisoners en général were there sur chacune des dérangées? The building in which you were detained in all, that is, putting the two rows but together. Respond. The number of prisoners varied from time to time. Sometimes we have 20 today and some were removed and other were sent in sometime 30 prisoners at a time. Vous avez parlé déjà à plusieurs reprises du fait qu'après you les événements du 17 avril 1975, that after the events il y avait of the eu un afflux massif there was an influx of prisoners. Est-ce que à ce moment-là, les quatre time, maisons de détention suffisaient à accueillir l'ensemble des personnes, detention buildings des prisonniers qui arrivaient à Krang Ta Chan to house all the prisoners who were brought to Krang Ta Chan?
Yes. There were prisoners who were already detained as those prisoners who were base people were detained for longer than the 17 April people. For anyone who were famous, for example, the movie actress and actor, including Kum No Wa, Nop Nam. So the personnel told me their names, and then they took the husband for execution, and the staff touched her cheek and touched her body, and their children asked how long dad will stay there, and the mother told the children that he will come back, and later they sent Kim Noa and her children. So they were killed around 4 p.m. in the afternoon. Je n'ai pas tout à fait suivi ce que vous avez dit. J'ai bien compris que vous parliez quite understood de l'épisode où deux acteurs ont été tués. Quand ils sont arrivés, est-ce que ces acteurs-là ont été logés dans les bâtiments when the prisoners des prisonniers were in, ou bien were they kept ont-ils été in the buildings of the prisoners, or they were dormir dans ces maisons executed without even having to sleep in those two buildings? Respond. When Nop Nam was sent there, I don't know him. The chief of the Krang Te Chan told me. Le chef de Krang Te Chan me l'a dit. And they said they will send Nop Nam to see Ong Ka, and he was taken for execution, and his wife was sitting before or in front of Ta'an's office, and he touched her body, and then lui a touché le corps. After they were all executed, he told me that was the family of Nop Nam, who was a famous movie star in the old regime. That's why I know. Le célèbre acteur du régime précédent. Merci pour ces détails, mais ma question était thank de savoir si for this detail. My question ces gens-là ou le groupe de gens avec lesquels ils you. Étaient whether those people sont entrés à Krang Ta Chan et ont été exécutés presque immédiatement, ou bien ont-ils passé certaines nuits dans les maisons almost immediately, de or they spent a few days in the building housing the prisoners before they were executed? There were two categories of prisoners. They would keep the base people prisoners for longer, and for the 17 April people, for those who were the former soldiers who were captain or lieutenant, they would detain them no longer than 1 week. And for the 17 April prisoners, they kept some of them a bit longer, but later they were also executed. Mais en fin de compte, ils étaient également exécutés. Est-il arrivé que, concernant le peuple du 17 avril, regarding the 17 April people, certaines de ces personnes n'aient pas dormi en prison some of those people parce qu'il y avait trop de monde déjà dans les maisons de détention. Sleep in the prison because there were too many people at the detention center or in the prison. Respond, no, it was not like that. No. For the 17 April people, for example, for the high-ranking official, they were brought and kept outside at the house, and Place, the staff served them coconut.
for them, personnel leur donnait des noix de coco. I heard that from Tachun and Chen. C'est Tachun et Chen qui m'ont dit. One of the victims was the commander during the old regime. So I heard from Tachun. And they were kept outside. Ces gens étaient gardés à l'extérieur. So and they were marched in line to the killing site. They were not brought into the detention building. Au centre de détention. Ils n'ont pas été conduits dans le bâtiment. D'accord. Merci beaucoup. Very well. Thank you very much. Je voudrais dans pour les minutes qui restent. Reparler de la procédure left, qui était l'application pour emmener les prisonniers à l'exécution. The procedure whereby dans l'extrait que j'ai lu, il était question que vous déverrouillez les barres de l'extérieur des maisons de prisonniers. Et ensuite, il était dit que Penn faisait l'appel des prisonniers qui devaient être exécutés. Et il leur disait qu'ils seraient emmenés à la coopérative ou chez eux. When the prisoners were being taken out for execution, they were told they were going to go back to the cooperatives or to their homes. How did those prisoners react to the statement that they were being taken to their homes or to the cooperatives? Respond. Some of them feel very sad, but some others was clapping and enjoy after that statement. And for those who had an idea what is going to happen for them, they was feeling sad, I observed. Ce qui leur arriverait était accablé. Dans l'extrait que j'ai lu, il est dit que ensuite, on les a amenés au lieu des interrogatoires. Pourriez-vous nous dire they were then taken qui to the exactement amenait les prisonniers au lieu d'interrogatoire? Tell us who took et the qui prisoners leur ligotait les mains et leur bandait les interrogation yeux? Est-ce qu'il y avait des gardes spécifiques who qui faisaient cela? Bound their eyes? Do you know any specific cadres who do that? Response, they would bring one prisoner for interrogation at a time. Chen was the one who took the prisoner and he would unshackle and walk the prisoner to the interrogation house and then brought au lieu de l'interrogatoire, so, et ensuite le ramener, l'interprète se reprend, il s'agissait d'interrogatoire avant pour l'exécution. So, à chaque fois, cela durait une heure. Gave, a good answer, si quelqu'un répondait bien, return. Il était autorisé à rentrer. So, he told me to go to the southern il m'a dit area d'aller vers le sud. Ta Cheng and me Ta Cheng were ordered to drag the body into les corps and thrown into pour the pit. Les jeter dans une fosse. Merci. En fait, je crois qu'il y a une petite confusion, monsieur la partie civile. I believe there is some confusion. There's a mix-up somewhere. Vous parlez toujours du processus menant à l'exécution. In the extract, et comme I read out, comme always étape talking intermédiaire, of the execution il était dit qu'on les amenait vers le lieu des interrogatoires pour leur ligoter les mains et leur bander les yeux. To place donc, of je ne parlais pas des interrogatoires eux-mêmes. Hands and blindfold them. I'm not talking of the interrogation per se. I'm talking of the stages leading est-ce que vous pourriez nous dire si, en ce qui concerne les enfants, est-ce qu'on leur ligotait les mains site? Et bandait les Let yeux us talk about également children. Avant de les exécuter? Were they bound and blindfolded as well before they were executed? Response. For children, I witnessed only in one incident when I was in a sugar palm. Je n'ai assisté so qu'à un I don't know the procedure enfants, in which they kill other children. I saw, I witnessed only the execution of the adult prisoner. Je n'ai assisté qu'à l'exécution de prisonniers adultes. Concernant les adultes, pourriez-vous regarding donner les noms
les différents soldats ou gardes qui escortaient habituellement les prisonniers à l'exécution et qui les exécutaient. The prisoners to the execution site. You mentioned two guards a while ago. Can you tell us whether it was all the guards who took part in the executions or only some of them? Response, when I was there for years, so the chief would patrol with his knife and other soldiers and guards did the killing. All of them participated in the killing. Vous avez dit également que vous deviez passer de la musique ou couper du bois pendant les exécutions. Pouvez-vous nous dire où se trouvaient les enceintes acoustiques qui passaient la musique? Yes, there was a tree at the gate, and the kitchen was 5 meters away from that. There was the loudspeaker installed there, and I was ordered to chop the firewood, and I was chopping when I saw they took the prisoner away, and we play music on the loudspeaker and we increase the volume at their order. Nous montions le volume conformément aux ordres reçus. Est-ce que les haut-parleurs étaient dirigés vers les maisons des prisonniers ou plutôt à l'opposé vers le lieu d'interrogatoire, par exemple? Towards the camp where the prisoners were held or directed towards the execution site where the prisoners were being executed? The loudspeaker was installed with the direction to the detention building where the prisoners were detained. Merci. Donc, j'ai bien compris, vous deviez if I understood you, what you said, vous deviez faire passer la musique, etc. You chaque had fois qu'il y avait une exécution, music, combien de temps avant chaque exécution there were executions, vous donnait-on l'instruction de creuser des fosses? And you also had to dig pits. When did you do that? How long before the executions did you have to do that? Response. For example, the killing will be in this evening. They order me, Tetchen and Tanon, and one of the soldiers were there to watch us, and they would order us to follow his instruction, especially the size of the pit. And then we did that, and when we complete, we were digging at the order and at the supervision by the soldier. C'était terminé et donc nous creusions sous les ordres des soldats et sous leur supervision. Si les exécutions avaient lieu le soir, est-ce que cela veut dire que if vous êtes arrivé très souvent evenings, de sortir de votre maison does it de mean that détention you pour very often had to devoir leave your detention ou remettre de la terre sur les personnes qui venaient d'être wood, exécutées? Or to ou bien deviez-vous attendre le lendemain avant de recouvrir les corps? Who had been executed, or you had to do that the following day in the morning? After the execution, they used the soil to cover the dead bodies, except the pits which is very deep. So, for example, it is too deep for 30 corpses. So, a day or two after,
There was a smell, a strong smell or stink. It was very bad, and the chief called me, Sen, please go to the south. And I understand that he ordered me to cover, to use the soil to cover the dead body. And later they used the same pits for burying the corpse. Et par la suite, ils ont utilisé les mêmes fosses pour President, thank you, co-prosecutor. The trial chamber wishes to adjourn for today. D'aujourd'hui touche à sa fin. And Mr. Soy Sen, the chamber, Monsieur thank you Soy for your Sen, time today. Merci d'être venu à la barre your testimony Votre has not come to a conclusion. Terminée. You are invited to give testimony on the 5th of February 2015 from 9 a.m. Now you are excused and là, you can return disposer. To your residence. Court officer, please work with the Wesu and coordinate his transport to his residence and have them back to the courtroom tomorrow before 9 a.m. And the chamber also thanks for the staff from TPO and you are also excused and you are also invited to return tomorrow for the hearing. Security personnel are instructed to bring back the two accused to the detention facility and have them back to follow the proceedings tomorrow before 9 o'clock. The court is adjourned.